ça mon goût. J'invite les chaussures. Pourquoi il met même les chaussures? Enlever les chaussures. Aïe. Je suis du même à le feu. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Partagez. Partagez, connectez-vous. Nous avons notre invité. Notre invité de marque. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Qui est sûr, c'est ça qui est ça. J'ai mis tous les enfants dans un coin où est. Je ne veux même pas qu'on nous dérange. Pas de dérangement. Nous sommes en traduit. Envoyez les enfants au lit. Envoyez vos enfants au lit. Les enfants au lit. Ici, on est entre adultes. Entre adultes consentants. Ce qui est sûr, c'est ça. Connectez-vous. Ça va être chaud. Oui. Ah, non, je me suis même. Connectez-vous. Partagez, mes chers frères et sœurs. Partagez. J'ai d'abord les vidéos à vous faire écouter. Voilà. Partagez, partagez, connectez-vous, partagez. Ouh, Marie-Louise Mbarga, une vraie guerrière et quand. Bonsoir, maman Jiangshu. Bonsoir, ma soeur à moi. Partage, je m'assiste tout d'amour. Bonsoir, Charlotte Thérèse Mbé à Tangana. Maman, les guerrières et quand. Une vraie guerrière. Merci, ma chérie. Il faut partager. Partagez, partagez, partagez partout. Partagez-moi ça jusqu'à Ondé, la capitale du Ndé. Partagez ça là-bas, que ça arrive là-bas, c'est ça qui est ça. La capitale du Ndé. Nous sommes à 63, partagez, c'est pas assez. Vous savez que c'est une nouvelle page. Vous savez que c'est une nouvelle page, donc c'est normal. C'est normal. Donc, partagez seulement, partagez seulement, partagez seulement. Shivania, bon, ma petite soeur Chou, bonsoir. Bonsoir, ma petite soeur, comment tu vas? Bonsoir, mes chéris. Bonsoir, bonsoir, partagez, partagez. Mes chers frères et sœurs, et bipez-moi, bipez-moi la pisseuse internationale qu'on appelle pipitologue. Pipi, on ne me la fait pas. Pipi, on ne me la fait pas. Tu as compris? Je suis une guerrière. Je suis une digne fille et calme. Je peux faire des problèmes avec toi même pendant 3 ans. Moi, je t'avais déjà laissé tranquille. C'est toi qui es venu te mêler de nos problèmes. C'est toi qui es venu te mêler de nos problèmes et calme. On ne t'a pas invité. On ne t'a même pas dit de venir nous donner des ordres, de nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Les palabres en famille nous concernent. On ne veut pas des intrus dans nos histoires. Tu es venue. Oh, Joséphine Zéateba, ma grande soeur Chou. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, ma mère. Bonsoir. Partageons, partageons. En attendant qu'on continue le partage, on va d'abord écouter une belle mélodie. 92 partage. C'est bien, c'est déjà ça. Ce n'est même pas encore ça. Parce qu'on va d'abord l'écouter. On va l'écouter. Et après, on va continuer. Mais vous savez qu'on ne peut pas commencer en live. On ne peut pas commencer en live sans une petite musique de chez nous. Donc, je vais chercher une belle musique, une belle mélodie de chez nous. Et on va l'écouter. Et on va d'abord chercher même une musique de chez nous qui n'a pas, de droit d'auteur. Parce que beaucoup de musique... Attends, il m'a volé, Juliette. Juliette a... Moi, t'appelles mon nom, ma carité. Florine, en fait,
gueule. L'investi, ce qui est ici, c'est ça. Et j'ai ta représentatrice. Donc voilà, pipi. Donc voilà, avec ton alopécie. Avec ton alopécie. Ça, c'est pipi. Ça, c'est pipi. On va l'attacher tout à l'heure. Pipi, je vais t'attacher en direct comme au tam. On va t'attacher en direct. Ce qui est ici, c'est ça. Je vais attacher pipi en direct. Je vais t'attacher. Pipi Tolo. Azouadjini, en direct. Il paraît que tu es quand t'attache. Je vais t'attacher. Ce qui est ici, c'est ça. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez. Je vais revérifier à combien nous sommes de partage. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il va de notre honneur. C'est ça qui est ça. On ne rigole pas avec le peuple écran. Le peuple écran, 133 partages. Je vous remercie, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas encore assez. 133 partages, c'est bien. Je vous félicite. Mais ce n'est pas encore assez. Je vais d'abord vous amener écouter ce qu'on appelle l'hypocrisie à l'état pur de celle qu'on appelle la pisseuse internationale, j'ai nommé Lolo Pipi. Ce qui m'étonne, c'est que elle est d'une manipulatrice hors pair. Ça, je lui conçois ça. Non, franchement, hein, Pipi, je te donne les mains et les pieds. Tu gères Meta. Tu sais comment manipuler
Bisoulou, comme on dit chez moi. Je vais repasser une vidéo de toi. Quand tu insultais la première dame. La première dame que tu as fait une vidéo sous peu pour reprocher au fils, au digne fils et au digne fille et comme qu'on s'y prend mal, qu'on ne parle pas bien, on ne fait pas. Ouza. Ah pipi ouza, on t'a appelé dans nos choses. Je dis, hein, pourquoi tu ne parles pas un peu des choses de chez toi? Pourquoi tu ne parles pas des choses de chez toi? Pourquoi c'est toujours des choses et des histoires et quand sur les réseaux sociaux qui t'intéressent? Pourquoi c'est toujours chez nous que tu viens faire les donneuses de leçons? Pourquoi tu ne parles pas de tes choses? On ne t'a jamais vu mettre la caméra ici. Critiquer ouvertement les élites bamileke qui font ou le faux que les bamileke font au Cameroun dans du frélaté qui empoisonne les Camerounais tous les jours. Tu n'as jamais fait ça. Jamais. Si quelqu'un a la vidéo, envoyez-moi. Mais c'est toujours dès que ça concerne les ECAM. Tu viens, tu ouvres ce qui te sert de ton roi. Ta bouche qui est le grand du porc. Tu viens, tu ouvres ta gueule. Mais je dis, qui te donne ce sentiment? Qui te donne cette autorisation? Qui te donne cette force? Tu te mènes de quoi? Tu veux qu'on... Merde, je ne parle même pas long, attends. Que le peuple est quand comprend, écoute comment on les manipule. Quelqu'un se lève hier, vous donne des leçons. Mais avant hier, insultait la première dame. La première dame du Cameroun. Oh, oh, on va l'écouter. Ah, pipitom, il nous un cook. Oh, ouais, dis. Mais bim, nous, il en. Parce qu'avec moi, ça ne passe pas. Quelques petits individus et cancre-langues avec qui tu fais tes bêtises, là, c'est une chose. Pas avec moi. Alors, on va l'écouter, s'exhiber, insulter notre première dame, la traiter de tous les noms d'oiseaux, et c'est elle qui veut venir se rédiger, à nous donner des... Tu nous donnes des leçons. Tu nous donnes... Mais, Mouza. On t'a appelé. On t'a appelé dans nos choses. On t'a appelé. Le Cameroun, c'est quelqu'un qui bavarde, mais il n'a pas la haine. Le Cameroun aime trop son prochain. Le Cameroun, c'est quelqu'un qui aime la paix, s'amuser. Mais. Écoutez. Qui a causé. Une manipulatrice. La guerre en nos os. Manipulatrice. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive au nouveau. Tous les Camerounais sont responsables de ça. Ça a commencé un petit peu et c'est parti jusqu'au début. Depuis au moins 4 ans, les gens ont le peuple des saints au nouveau. Merci, je bloque les tirs. Les militaires qui sont là-bas sont le frère Camerounais. Ceux qui partent sont le frère Camerounais. C'est les Camerounais qui se tuent entre eux. La rose africaine 237. C'est un petit Camerounais, c'est comment tu joues doucement après ça sale. Ma rose, je t'avais dit non. Donc fais très attention. Ma rose. Si la parole d'Antoine Bachot. Aujourd'hui, je vois que tu t'es renversé avec Pipitologue. Je t'avais dit non. Que moi, je suis le genre que j'observe, je donne le bénéfice du doute. Quand je vois qu'aujourd'hui, tu t'es renversé aussi avec elle, je ne croyais pas. Je ne pouvais jamais croire ça que toi et Pipi, ça allait être le sagat. Jamais je n'aurais cru ça. On y va. Des femmes, des mères qui sont allées donner la vie, qui sont allées accoucher pour donner la vie aux enfants, pour les futurs présidents, les futurs ingénieurs, les futurs docteurs. Mais elles ont été bloquées à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé leur séjour à l'hôpital. Une femme qui va donner la vie, si elle accouche, on va dire qu'elle est stérile. Si les femmes l'accouchent pour dire, le monde va le savoir quoi. Ce sont les femmes qui accouchent. Elles sont parties parce qu'elles sont allées accoucher. Elles ont été bloquées à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé leur séjour. Elles sont allées donner la vie aux êtres humains. Si vous êtes originaire, c'est grâce aux femmes. Mais elles ont été bloquées à l'hôpital. Ou Antoine Bachot qui a permis de venir faire une publication pour demander de l'aide à la diaspora pour libérer ces filles-là. Et un matin, on voit une quelconque Camerounaise qui a publié une bouteille de champagne de 6 000 euros. Vous prenez pour qui là? Pardon. Vous croyez où?
du roi Pétro. Mais. Vous croyez où? Vous êtes passé comme un parler, on ne parle pas. Oh, on ne parle pas de quoi? Tu t'adresses à la première dame du Cameroun. Si elle offre un petit, petit cadeau, un petit champagnard, les petits cadeaux que tu supplies à tes followers tout le temps sur les réseaux sociaux, elle offre ça à Coco Emilia. Ça te fait mal où? Ma soeur, vous avez la mémoire courte. Pourquoi tu te tortilles les boyaux si la première dame offre un champagne à une petite soeur qui est sa fille? Tu t'es mise à Mondovision. Tu as traité cette première dame de tous les noms d'oiseaux. Wow! Wow! Toi, Pipi, tu as traité la première dame de tous les noms d'oiseaux. Mais de quel droit? Et aujourd'hui, tu te places dans Mondovision. Tu veux faire des donneuses de leçons au peuple Cam. Tu es qui pour nous donner des leçons? Je n'ai pas encore atterri sur cette vidéo-là. Je veux d'abord faire un petit remember à certains d'entre nous qui pensent que le rôle que tu joues sur les réseaux sociaux, c'est un rôle amical. Non, non, non. Tu es une manipulatrice de haut niveau. Toi, là. Toi, Pipi, avec ton alopécie que tu as si. Tu es une manipulatrice de haut niveau. Tu sais ça? On va écouter. C'est de la première dame que tu parles, hein? Parce qu'il ne faut pas que les gens croient qu'on invente. Vous oubliez vite. Comme avait chanté Ismaëlla et l'autre. Vous oubliez vite. Mais nous, on n'oublie pas. Les archives sont là. Tu ne peux pas venir nous donner des leçons. Pourtant, tu étais la première à insulter la première dame, à manquer du respect à la première dame, à t'indigner du fait qu'elle offre une petite bouteille de champagne à une consoeur, une petite sœur qui est sa fille lors de son anniversaire. Et là, ça c'est Pipito. Filmez-moi là bien, je vais bien l'attacher. Qui a peur de qui? Vous croyez où? Ta mère, bye bye. C'est ta mère, tu es en pied de bloc. Idiot de naissance. Tête de là. La lopécie. Sans cheveux. Mais tu l'as joué, ma belle sœur chérie. Comment tu vas, madame et quoi, madame? Vous croyez où? Nous avons vu. Sur la page, allez sur la page du premier ministre Antoine Bachot. Vous allez voir comment les femmes sont en train de supplier. Fait libérez-nous, libérez-nous. Elles n'ont pas d'argent juste parce qu'elles ont allé donner la vie. Elles ont été bloquées à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé une somme de 200 000 ou 300 000 francs. Elles ont été bloquées. Mais le lendemain, même pas une semaine, c'est vous qui allez rendre les Camerounais haineux. C'est vous qui allez réveiller le peuple camerounais. C'est vous qui allez rendre, c'est vous qui allez causer la guerre dans ce pays à cause de la propagande inutile, à cause du matifu. Comme vous avez pu les réseaux sociaux, comme votre bureau de vlog de venir de vantadise. On t'offre quelque chose, tu n'es pas censé de lui donner le prix. Un prix d'une bouteille de champagne de 6 000 euros et quand vous parlez, les animaux nous sont jaloux. Jaloux de quoi? Jalousie de quoi? Jalousie de quoi? Même toi qui es femme, comment on va lui faire le mauvais combat, dit que t'as l'autre, tu es jalouse. Hein? T'as dit que t'as l'autre, tu es jalouse. Jalouse de quoi? Et un peu la conscience. Réfléchissons un peu. Que hier, il y a des femmes au Cameroun qui n'ont même pas de moyens pour donc elles poussent les feuilles de bananes dans les quartiers. Au final, elles poussent les feuilles de bananes. Elles vont à l'hôpital, elles sont bloquées à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas de quoi payer. Laisse-les jouer à l'hôpital. On tient sur Facebook. Nous, on tient le carreau qui est offert. De 6 000 euros, ça fait 4 millions de francs CFA pour deux verres. C'est-à-dire qu'une petite bouteille de champagne que tu bois deux cartes de verre. Vous croyez que c'est sérieux ça? Vous croyez que ça fait du bien de voir ça? On va être jaloux de quoi? Moi je suis en bain, mon frère. Je ne souffre pas l'Europe. Oh, l'histoire c'est quoi? Tu vois la cola, je suis en train d'un milliardaire russe. Il fait boire le cognac comme il n'est pas perdu. Ça veut dire ça? Ça veut dire ça? Ça pourrait blaser les chiens comme vous là. Quand tu vois la cour, tu vois les soirées à champagne. Les soirées, tu dois arrêter comme ça, ce sont les soirées. Tu vois les bouteilles de champagne qui n'ont même.
Quand le nom même, tu peux même préparer le prix, ça traîne là partout au sol. Hein? C'est quel genre de comportement ça? C'est quel genre, tu veux montrer aux Camerounais que, vous, que... Non, franchement, est-ce qu'on peut faire ça? Même ici en France, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire en Europe. Brigitte Macron offre les cadeaux tous les jours aux gens. Mais si je ne vois jamais français venir vagabond, je veux que. Voyez ce que Brigitte Macron m'a donné. Il a même montré. Vous voulez montrer aux Camerounais que y a les... vous êtes supérieur à qui? Vous voulez montrer les bouteilles, j'apprends par rapport à quoi? Vous répétez qu'au Cameroun, quand je sais qu'il y a des enfants au Cameroun qui ont le bac, qui ont des sous-doués au Cameroun, qui n'ont même pas les possibilités pour se payer de l'université. Les gens veulent montrer les bouteilles, j'apprends qu'on les a donné 4 millions de francs. Vous vous moquez de qui? Vous vous amusez avec un peuple? Vous vous amusez avec un peuple qui a faim? Vous vous amusez avec un peuple qui souffre? Il n'y a pas plus fort qu'un peuple. Qu'un peuple s'élève, personne ne peut le faire soi. Faites très attention. Et je suis un petit déclic comme ça. Les gens comme vous là, qui voulaient brûler le Cameroun là. Vous voulez vous faire voir. Si on avait dit un jour que Moubarak n'avait plus été en Égypte, personne ne veut croire. Quand vous dites même que le dictateur là, vous on appelle les grands frères dictateurs. Les Kadhafi. Vous êtes combien quoi? Puis vous faites très attention de faire certaines choses. Mais quand vous marchez, vous voulez vous faire voir devant les gens. Pourquoi vous avez peur de vous? Ça veut dire que les vieilles, quand je suis vieille manquant, d'accord? Mais je suis debout. Avant tes poches, je ne mettais pas le make-up. Avant tes poches, je ne mettais pas les faux cils. Avant tes poches, je ne mettais pas le rouge à lèvres, j'étais belle. Avant tes poches, je ne mettais pas les faux seins. Et quand vous dites la vérité, à mon opponent, vous croyez qu'il n'y a pas les filles au Cameroun. C'est la nouvelle. À la génération. Le Cameroun souffre. Les gens souffrent au pays. Mais nous aimons tellement notre Cameroun qu'on va dire que malgré la souffrance, nous allons rester dans la paix. Donc ne venez pas exciter ce peuple camerounais là qui est calme. Ne venez pas nous réveiller les esprits. Quelle paix? Quand tu parles du peuple camerounais qui veut vivre dans la paix, quelle paix? Tu ne vois pas la haine que ta famille Bamileke instaure depuis quelques années. Tu sais, Pipi, avant même de te clasher comme il faut, je vais te faire comprendre un truc. Assieds-toi là. Toi et moi, c'est pas là. Tu es mon toutou. Tu es mon petit chat. Moi, je te tiens à la laisse. Ce qui m'énerve chez vous, c'est l'hypocrisie. Depuis que tu nous vois combattre pour notre homme là, des hommes là, tu n'as pas ouvert ta bouche. Tu as fait 2-3 posts sur... justice pour Martinez Zorro avec la pression de tes gens, tu l'as fait. On a décidé d'être un collectif de blogueuses et camps à demander la libération de notre homme là. Depuis quelque temps, on le fait. Depuis, nous sommes là. On ne lâche rien. Tu t'es réveillé il y a 2 jours. Tu as décidé de venir nous donner des leçons. Moi, c'est ce qui ne me plaît pas. Tu aurais dû faire. Même la personne qui est venue te dire que va parler, tu aurais dû que dire non. Depuis là, moi, je ne parle pas de ça. Ou c'est pas maintenant que je vais parler de ça. Tu aurais dû faire vu et ignorer. Tu passes ta route. Mais comme c'est plus fort que toi, parce que tu te dis que tu peux nous dicter notre conduite et notre façon de faire, comment on doit parler, comment on doit faire et tout, nous, on te dit non. Tu as compris? Et on a une abeille, Jomiakou, parce que toi, Pipi, tu ouvres ce qui te sert de la boîte à pipe pour venir parler au peuple camp. En vertu de quoi? Tu es qui? Tu es quoi dans notre famille? Tu n'es rien que dalle. Que les petites écancres qui te soutiennent. Gère ça avec eux. Celles qui sont derrière vos culs parce qu'elles veulent des intérêts, il faut gérer ça avec vous. Moi, je ne te permets pas de venir nous manquer de respect et de venir te mêler de nos histoires. Parce qu'au départ de cette histoire de Martinez Zorro, tu as fait des posts, on a respecté, on a dit ok, elle a fait des posts, elle a suivi le mouvement, ça s'arrête là. Mais mettre ta caméra, venir dire comment nous les étangs, pourquoi on parle, est-ce que c'est à cause de ça? Tu as déjà vu une femme écran dans les réseaux sociaux que les fesses coulent l'eau.
Tu as déjà vu une femme écandant les réseaux sociaux que ses fesses coulent l'eau? Tu as déjà vu une femme écandant les réseaux sociaux qu'on a attaché à outrance? Méfie-toi, hein. Ne me cherche pas. Parce que ce que tu essayes de faire là, la personne même qui te dit de venir faire ça te jette dans le trou. Parce que la personne te fait que des ennemis. Fais comme ta yam sœur. Ça ne la concerne pas, elle ne s'en mêle pas. Elle a dit justice pour Martinez Zorro, elle s'arrête là. Elle n'a pas de leçons à donner à notre peuple. Tu n'as pas de leçons à donner au peuple quand? Tu as compris? Tu n'as pas de leçons à nous donner. Tu n'as rien à nous dire. Parce que avant de venir balayer devant la porte du peuple Ekang, va balayer devant la porte du peuple Bamileke que tu es et que tu représentes. Des tas de chevaux, on les connaît tous. On les voit dans les réseaux sociaux. On t'a jamais vu te lever. Condamné Congel Kam, qui vend du poisson pourri depuis des années aux Camerounais. Condamné des Bamileke qui font du frélaté en poison de Camerounais. En longueur de journée à petit feu, on ne t'a jamais vu faire ça. Indexer les uns et les autres de vos hommes d'affaires. Alors là, tu me la boucles sur cette histoire d'Amoubringa. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce sujet-là. Tu quittes dans ça parce que ça ne te regarde pas. Tu as demandé justice pour Martinez Zorro. Ok, la boucle. Ferme-moi-la sur ce sujet-là. Tu n'es rien, tu n'es que dalle. Tu n'es qu'une pauvre petite affaire. Femme qui réclame des petits centimes sur les réseaux sociaux. D'accord? Tu ne vaux aucune femme écran. Tu n'es rien. Tu as pris l'avion dernièrement. Tu as été obligé de bosser pour arriver en Europe. Moi, Elise, j'ai pris l'avion. Air France. J'ai atterri à Roissy Charles de Gaulle. Tu as marché à pied pour venir en Belgique. Vous dites que vous êtes des milliardaires, vous marchez à pied. Les plus grands bosailleurs du Cameroun, ce sont les Bamileke. Vous bosaillez pourquoi en étant des milliardaires? Vous bosaillez pourquoi? Vous êtes milliardaires, vous bosaillez, vous marchez à pied pour venir en Bénin. Une chienne qui pisse en public comme pipi. Tu as été obligé de bosa. C'est aujourd'hui que tu veux trop parler communauté, parce que tu es là. La même communauté là était au courant de toi quand tu étais dans la misère de pays en pays. Le Bibnou est lent, 150 000 ans. Je pars maintenant sur la vidéo où tu me clashes. C'est là-bas que je veux faire ta fête. On va y aller. On va laisser la première dame où elle est. Votre hypocrisie à deux balles là. Tu as chié dans la gueule de la première dame ici. Tu as pissé en public pour parler d'elle. Et aujourd'hui, tu veux venir jouer les pompiers. Pompier pyromane. Tu mets le feu et tu veux venir jouer les pompiers derrière. Ça ne marche pas. Tu as compris? Ça ne marche pas. Mieux tu la fermais. Tu la bouclais parce que ça ne te regarde pas. Ce n'est pas une histoire qui te regarde. On fait de notre mieux. On fait comme on peut. On est un peuple et quand on revendique ce qui nous est de droit, on ne t'a pas demandé de venir au secours. Surtout pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Parce qu'avant, on ne t'a pas vu. C'est pas maintenant qu'on va voir ta tronche. Et ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, si tu veux me clasher, on va se clasher. Je vais écouter bien, bien, bien ton clash. Parce que quand tu m'insultais, j'étais dans ton live. Tu disais, il m'a niawa fou. Pipi, on a mis ça. Je peux avoir peur de toi, pipi. Je suis venu dans ton direct propre. Tu as commencé à faire je rigole même. Moi, je ne rigole pas avec toi. Je te redis ça les yeux dans les... Je ne rigole pas avec toi. Je ne rigole pas avec toi. Oh, Josiane Ndoua, ma petite soeur chou. On va aller sur ton live à cuisse ouverte avec... On va aller sur ton live. Donc toi-même, tu es en ligne. Donc tu as lancé le direct au même moment que moi, au Tami Yenge. Ce n'est que le début. Moi, je vais écouter ton live. Tu as rien vu quoi. You shoot that. Ce soir, direct sans fil, je peux partager. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le direct-ci?
ou elle m'insultait ou quoi. Elle m'insultait ou même. C'était quel direct? C'était hier, avant hier. Donc ça être celui-ci. Une femme qui passe son temps à... Tu réclames des centimes, des miettes sur les réseaux sociaux en longueur de journée. Cotiser. Alors on va t'écouter. Parce que j'étais dans ce live, mais je suis arrivée un peu tard. On me préfère que toi, même dans ton propre village, idiote. Ok. Regarde-moi celle-là. Tout le monde sait. Allons-y. Je vais recommencer à zéro. Il paraît que c'était après moi que tu en avais. On va réécouter, hein. Allons-y. Oh, pourquoi ça dérange? Là. Non. Mais j'ai pas besoin de casser mon âge. Franck, vous êtes tellement bête. Mon grand peuple, je suis là, même pas encore 50 ans. Vous êtes tellement bête dans les réseaux sociaux. Mais ma chérie, on sait que le Kumba, elle est chez vous. Le Kumba, elle est chez vous. Lolo, tu es une vieille femme. Pipi, tu es une vieille femme. Regarde. Regarde-moi, je peux lever ma perruque. Tu es une vieille dame. Même pas une femme. Tu es une vieille maman. Tu es une vieille dame. Même si tu mets 1 million de couches de make-up, ça se voit et ça se lit. Même les postures que tu prends montrent déjà que tu es une femme âgée. Tu es une femme âgée. On connaît que le Kumba, chez vous, c'est le haut niveau. Aucun Bamileke n'a son vrai âge. Si oui, ceux qui sont nés en Bain, ils sont obligés d'avoir leur vrai âge parce qu'ils sont nés en Bain. Mais si ce n'est que ceux du pays, vous tous, vous avez des âges frélatés. Pipi, tu es une vieille dame, une corum de 1900, ouais. Tu n'as pas mon âge. Tu n'as même pas l'âge de ma soeur que je suis derrière. Parce que quand je vois même ta petite soeur, Reve Mbinda, quand je la vois bien, elle fait plus âgée que moi. Son visage est déjà cassé, détruit. On n'a pas le même âge. Je suis sûre qu'elle doit même avoir 2 ou 3 ans de plus que moi. Quand je regarde bien cette rêve-là, je me regarde moi-même, je dis que celle-ci est plus âgée que moi. Parce que le Kumba, tout ce qui est faux chez vous, c'est vous. On va t'écouter. Joas, tu as envie de ma beauté. Quand tu es là, on est dans ta famille, il y a quelqu'un qui est né comme la mienne. Hein? Il y a quelqu'un dans ta famille qui a le nez si. Le nez. Idiote. Le nez. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a le nez si. Une femme de plus de 60 ans qui se base sur les narines. Mais, Pipi, regarde mon nez. Parlons un peu de nez. Comme ton niveau, c'est le nez, c'est la beauté. Je veux que quand tu veux me clasher, que tu veux échanger avec moi, on se donne des coups de poing. C'est dans les vraies choses. Tu as compris? Parce que je suis typée asiatique. Tu parles du nez. Tu as vu le nez de cochon qui te sert de nez. Tu as un gros, hein? Ce n'est pas un nez. Tu as le gros coin. Un truc qui te sert à fouiller la merde dans la poubelle. Donc, quand tu mets ta caméra, c'est pour comparer les narines. Et vous appelez ça animatrice. Vous dites qu'elle est plus intelligente qu'Élise. Une femme qui met sa caméra devant des personnes qui parlent nez. Tu as le nez comme moi. Tu es jalouse de mon nez. Sorry, tu as regardé le mien. Mets-moi ce qui te tait de pif et mets le mien. Faisons même les captures d'écran. On met les tuyaux qui te servent de narine là. On met mon nez. Donc c'est ça. Mais attends, mais je suis dessus. C'est ton niveau ça. Et tu dis que tu veux être animatrice machin. En pissant. Pipi. J'avais tout préparé pour ta grille. Tu pisses en public. Tu pisses. En public. Tu pisses en public. Et tu veux parler. Tu veux me comparer avec les histoires de narinosaures. Donc ton niveau c'est les narines. Tu pisses en public. Et tu veux te mesurer à moi. Dans les narines. Tu peux ouvrir tes cuisses. C'est moi qui t'ai appris comment on met des couches culottes. Tu as compris? Tu pisses en public, tu parles de nez. Quoi?
Tu parles de nez, pipi. Le nez. Le nez. Franchement, je te croyais plus intelligente que ça. Hein? Tu parles de narinosaure. Oh, j'ai un joli nez. Tu es jalouse de mon nez. Pardon. Mais je dis, les couilles, les abagoles, les qui écoutent celle-ci. Les qui écoutent pipitologue. Une femme qui pisse en public. Les qui écoutent pipi. Donc, quand tu veux me clasher, c'est pour t'arrêter sur le nez. Le nez. Regarde mon nez, pipi. Je me mets face, en face, de profil. Regarde mon nez. J'en suis fière, mais je n'extrapole pas dessus. Je n'extrapole pas sur mes narines. Oh, oh, tu es jalouse de mon nez. Maman, la bassesse de ça. Franchement, ne me déçois pas. Pipi, ne me déçois pas dans ton live aussi, parce que franchement, le nez. Et puis que tu es dans ta famille, il y a des gens qui les dents ont le nez comme le bateau. La femme, là, tu n'as pas vu ça. C'est déployé chez les chirurgiens. C'est dans la gomme des chirurgiens modèles des nez. On met ma face les dents. Tu as compris? Avec ta, ton nez qui est comme la devanture du bateau. Non, tu mens. Non. Quand tu parles comme ça, je te prends au mot. Voilà mon direct. Regarde mes narines. Regarde mon nez. Non. Faut arrêter le mauvais sabotage. Moi, quand je t'insulte avec ce qui va droit dans tes défauts. Je ne t'insulte pas avec des fausses injures pour faire style, machin. Pipi, voilà mon pif. Voilà mon nez. Voilà. Mon nez n'est pas bateau. Je ne sais pas à qui tu t'adresses ou c'est à ta petite soeur. Parce que ta petite soeur a alors un nez évasé comme les ailes de la chauve-souris. Hein? Ta petite soeur a un nez évasé comme les ailes de la chauve-souris. Si c'est ta petite soeur que tu insultes, ce n'est pas moi. Oh, tu es jalouse de mon nez. Il faut regarder ton nez, Eva. Non. De bout en bout, mon nez. Non, mais franchement, mets la barre haute, dis donc, salope. Mets la barre haute, pisseuse. Eh, hey, normal. Tu as quelqu'un dans ta famille qui a les yeux revolvés comme la mienne. Hein, comme la mienne. Hein? Les yeux revolvés comme la mienne. Elle est animatrice. Les yeux revolvés comme la mienne. Toi, tu vois? Je vais fermer mon retour. Ferme ton retour. Je vais même voir ton nom. Je vais essayer de voir qui c'est. Je veux voir celle qui me parle de retour. Si ta mère t'a accouché par la nuit, je veux voir. On te dit de ferme ton retour, pipi. Je ne sais pas. La femme a dit de ferme ton retour. Ouh, pisseuse. Ouh, pisseuse. Pipi, pisseuse. Ouh, pisseuse. Pisseuse. Ouh, pisseuse. Pisseuse. Ouh, pisseuse. On te dit que tu t'aimes le vagin qui te sert de tuyau. Une femme qui pisse en public. Maintenant, tu t'habilles en noir. C'est moi qui t'ai appris à porter les couches culottes. Moi, Elise, je t'ai appris à porter les couches culottes. Tu as vu? Tu as vu? Je portais ça, hein. Je portais ça. Personne n'aurait pas imaginé que je portais une couche culotte en dessous. Tu as compris? Personne n'aurait imaginé que je portais une couche culotte en dessous. Donc, où tu es là? Ma couche culotte, ma pampers, ma cul ouvert, ma pisseuse en public. Tu as compris? Pisseuse. 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 Eh, honte. Qu'est-ce qu'il a de laisser filmer comme ça? C'est un quoi là, un faux profil qui t'a dit que ferme tes. Mais tout, tu l'en veux pour quoi? Tu en veux un faux profil qui vient t'insulter que ferme ton couetou. Je rajoute que ferme ton couetou qui pisse. Tu as compris? Elle me dit rien. Je... Pardon. C'est un faux profil. Ça, c'est pas ça. Attends, je vais même plus loin. Je vais Elise Bangala, tu es. Non, je veux que tu me clashes, pipi. C'est quoi ça? Femme qui a fait 5 000 km, venir chercher les danziers, les dirois, le même prix qu'elle dit, fait dire, tu es parlé. Il y a ce propriétaire, il y a pas envie de respirer, chouane. Tu l'appelles, toi? Mamie, ça te choque? Tu as mal?
une jeune fille bamileke comme toi, tu es la honte de la gente féminine bamileke. Tu es la honte de la gente féminine bamileke. Parce que tu es la seule bamileke qu'on connaît qu'elle a vendu son... C'est l'as. Qu'elle a vendu son vagin et qui n'a rien produit avec. Tu as passé toute ta vie à nourrir les gigolos. Toute ta vie à nourrir les gigolos. Aujourd'hui, à la soixantaine qui te guette dans quelques jours, tu viens dire que oh, tu as construit à Yaoundé. Puis, tu as construit où? Tu parles des biens de ton père et de ta mère qui étaient en polygamie. Dans la maison qui appartient à ton père là, qui appartient à tes frères et soeurs, appartient encore à d'autres enfants de la, qui est la femme de ton père. Tu es la honte de la gente féminine bangliquée. Pipi, tais-toi. Beaucoup ont vendu le pétou. Elles ont fait, les gens ont vu. Toi pour toi, a servi à quoi? Voilà rampe, rampe que tu envoies les rias partout où tu pars. Pourquoi tu ne restes pas chez toi? Tu ne restes pas chez toi, pourquoi? Vous avez déjà vu cette fille chez elle? Plus d'une semaine? Jamais. Elle est toujours entre deux hôtels en train de volatiliser partout. Wajanje. Wajanje. Sexe modèle. C'est où on te trouve. Dès que tu travailles une journée, tu envoies les rias à part rampe. Ton proxo Pro Max. Un compagnon qui est devenu ton proxénète. Tu es obligé de faire avec un homme qui ne peut rien t'apporter dans ta vie parce que c'est le genre que Dieu, on reste, on aide à payer les factures. Pipi, tu peux parler de moi. Moi, je ne suis pas dans tes bêtises que tu fais en rigolant là. Moi, je ne rigole pas avec toi. Je t'ai déjà dit, c'est, tu me respectes. Hein? Je ne suis pas ton niveau. Oui, tu t'habilles, oui, tu te... Bah oui, mais après tout, à quoi te sert ton argent si ce n'est que pour te faire belle? À quoi te sert ton pognon? Tu crois qu'une femme qui a des enfants peut privilégier le vestimentaire au déprimant de ses gosses? Et tu dis que tu... Je donne l'exemple, je suis. Et tu... Mouf. Ferme l'enduit. Ferme-moi ta sale gueule qui te sert de bouche. Tu as compris? Tu n'es rien aujourd'hui, tu n'es rien demain, tu n'es rien après demain. Tu ne vaux aucune femme écran. Et tu ne vaux aucune digne fille bamilequée que je, les filles bamilequées que je connais. Tu es une ratée. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a donné le nom de rate. Même les bamilequées ont honte de toi. Ils viennent t'applaudir quand tu insultes Élise qui les tient tête. Oh, je suis une guerrière. C'est ça qui est ça et ça ne choque pas. Mais à part ça, on va dire que les aimes celle-là, pardon. C'est quel genre de bamilequée ça? Eh, quoi? On va te dire que toi, chez toi, les bamilequées te traitent de quoi? Que tu es une quoi? Les bamilequées traitent la salope si de quoi? C'est une qui est vraiment, à son âge, elle n'a rien fait. Rien, toi, homme. Même la tombe de tes parents, il n'y a pas de pierre tombale dessus. La tombe de tes parents, pipi, il n'y a pas de pierre tombale digne de ce nom dessus. Un petit truc qu'on a mis le ciment dessus comme ça, là. On a aussi laissé ça à ton père et ta mère. Une petite couche de ciment. Tu viens sur les réseaux, tu parles fort, tu dénigres les gens. Tu peux me dénigrer. Boucle-moi la vie. Parce que même avec les mains, je te tape. Je te fouette. Je te fais sortir le pipi, là, grosse goutte. Parce que le jour que ça ne va pas, je te mets un coup de genou. Mais sous la vessie, là, ça va sortir que tchol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 . Parce que tu as une vessie qui ne tient pas. Tellement on t'a bouillé, tellement on t'a couillé. Une femme qui a déjà pris tous les calibres de bites dans le monde. Tu es la bosailleuse de bites, pipi. Ton poitou, c'est la bosailleuse des bites. Cameroun, Tchouké,
Chouquet dessus, toutes les formes, les bandits dedans, les nangaboko dedans, les voyous dedans, les taximens dedans, les mototaximens dedans. Tu quittes le Cameroun, tu dis que wow, je m'en vais au Tchad. Les Tchadiens dedans, avec les gros calibres Tchadiens. Vous connaissez alors les Tchadiens, les Aoussa, avec leurs longs machins là qui sont longs comme leur couteau dedans. On forme. Tu quittes le Tchad, tu dis que je m'en vais en Guinée équatoriale, mes frères Guinée équatoriale. J'espère que c'était des écarts. Ha fom jom te, bouffons-moi, ne bati le sou, ne bati l'ambus, ne bati le sou, ne bati l'ambus, me filam in bobby, je me filam nous. Voilà, me taille, quand est Guinée, quand tu quittes un pays, tu es déjà comme une zombie. Et ici, on m'a déjà trop fini. Ici, tu ne passes même plus au marché. Parce que tu es le genre que quand tu arrives, le client dit que hein, celle-ci, ah, tout le monde connaît déjà celle-ci. Ah non. Tu es obligé d'aller prendre les petites jeunes pour partir avec. Quand tellement tu es connu, tellement ton point, tout le monde a déchiré ça dans un pays. Tu dis que, oui, en Guinée équatoriale, ça ne dose plus. Je m'en vais au Gabon. Tu arrives au Gabon, half-form, les calibres des Gabonais, alors, toutes sortes, les Mazembeo, les tueurs, les vendeurs de cours, les pêcheurs, les éboueurs, les, je ne sais pas, les balayeurs de rue, te fom. Quand tu arrives au Gabon, ça ne donne plus. Tu restes comme ça. Ta chatte ressemble à la chatte d'un chaton en avortement qui a avorté des petits minous. Tu quittes là, tu dis que merde, le Gabon ça ne donne plus, tu continues la route. Tu as pris l'avion pour venir en Bénin. Après autant de beaux arts, les milliardaires Bamileke, voilà vos soeurs. Comme vous dites que vous êtes toutes milliardaires là. Ils sont obligés de beaux aïeux innés. Quand on a alors fini de fumer celle qu'on appelle pipi, elle dit que maintenant, je ne sais pas qui l'a même amené en Belgique. Elle atterrit en Suisse, même fait la pute en Suisse, t'a dépassé. Tellement tu aimes les calibres de nègres. Tu aimes les gros calibres, tu aimes les gros oiseaux qui ressemblent à la locom. Ta soeur Lolita. Celle-là, celle qui dévierge les enfants de Cruyé au Cameroun, là, a dit que même le blanc t'a dépassé. Une Africaine, une Camerounaise digne de ce nom, que le blanc dépasse. Une Camerounaise, hein? Je connais les Camerounaises, j'en fais partie. Que le blanc dépasse. Que même le. Elle n'a même pas pu rester. Une femme noire. Africaine camerounaise qui n'est jamais restée 3 mois dans la même maison qu'un blanc. Parce qu'elle court toujours après les mbangala noirs. Et c'est comme ça qu'elle pourchasse pour Ramperamp. Tu as détruit la vie de Ramperamp. Mes chers frères et sœurs, nous qui avons des enfants garçons, mettons nos genoux à terre. Prions que nos enfants ne tombent pas sur des sorcières comme Pipitolo. La mère, le fils, le petit-fils de Ramperamp meurt de faim à Douala. À cause d'une chienne comme Pipi. Meurt de faim. Tu veux venir t'asseoir là, tu dis que tu me claques. Tu dénigres qui? Oui, Lise, tu es sale chaud. Tu as vu? J'habite où c'est tout peint. Demande aux gens qui ont déjà pénétré le chemin. Moi, je suis maniaque. Des vrais gens. C'est pour ça qu'il y a très peu qui me connaissent. Même tu arrives chez moi, je te mets mal à l'aise parce que je suis toujours en train de. Donc, vous ne me connaissez pas. Tu ne me connais pas, Pipi. Tu n'es rien, tu n'es que dalle. Tu n'es qu'une petite souffreteuse qui ne vaut même pas aucune fille écanquille ici en Europe. Je dis que même les filles Bamileke te rejettent parce que tu ne les représentes pas. J'en connais qui sont combatifs, qui sont des femmes battantes. Mais toi, oh, j'ai mis le make-up. Oh, le make-up de Tata Lelou, je suis belle. Avec l'alopécie sur la tête, sans cheveux, oh, je suis belle. Tu es belle avec l'alopécie.
Oh, je suis belle. Tu trompes les enfants, les gens. Si moi, heureusement que mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux de Facebook, si, j'aurais dit à mes enfants que ne regardez jamais cet imbécile parce qu'elle vous induit en erreur. On t'a attaché. Tu vis avec un homme. Tu viens dans les réseaux sociaux. Tu assumes. Oh, et fort. Où est la vidéo là? On va la voir en copier. Quand tu es au Cameroun, elle nous emmerde. On est venu t'arrêter là, ton douara, il n'y a même pas de lumière. Et il y a dans l'obscurité, tu dormais sur le matelas. Pardon. Et tu as ça. Et il faut que le finir vos maisons. Il faut imiter la bosse des masques, je parle la bosse des internationales. La présence des bosses des internationales. Son chaleur, tu as voilà ça. Tu vas te monter une maison qui est. Il y a l'obscurité avec le matelas, moi, comptable. Non, tu mens. Tu mens. Tu mens, je peux encore te montrer, hein. J'invite les gens à aller regarder ma vidéo. Je pars à l'hôtel que j'ai construit chez moi, mamie. Je construis chez moi et je pars à l'hôtel. Et ça, c'est au village. Pourquoi tu ne parles pas de Yaoundé? Tu as vu Yaoundé, non? J'ai fait des vidéos en étant à Yaoundé. Tu as vu Yaoundé, oui ou non? Tu parles d'une maison du village. Voilà des gens qui font que... qui dénigrent ceux qui font au moins l'effort. Parce que faire l'effort, c'est important. Dire que je ne vais pas aller chez mon oncle, je ne vais pas aller chez ma tante. Je ne vais pas aller chez ma soeur, je ne vais pas aller chez mon frère qui ont un peu au pays. Je fais quand même mon petit bungalow, même si ce n'est pas fini. Mais quand je pars, je quitte, je descends à Nsimalen, j'atterris à Yaoundé, c'est chez moi. Mais quand je quitte Yaoundé, j'atterris au village, c'est aussi chez moi. Je ne pâche personne. Elle vient, elle vous décourage. Parce qu'il n'y a rien de tel, mes chers frères et sœurs, de se faire humilier dans la maison de son frère, dans la maison de sa sœur, dans la maison de son oncle, dans la maison de sa tante, ou dans la maison où ta belle-sœur ne mange pas trois repas par jour, mais tu arrives, comme tu dors chez elle, elle te méprise. Pipi, quand tu pars à Kribi, tu es déjà parti à Kribi, tu nous filmes quand tu es à Kribi. Tu nous as déjà montré le château à Kribi où tes frères, tes soeurs se bagarrent dans la concession familiale. Tu dors chez toi à Kribi. Tu pars même à Kribi. Tu pars à Kribi. Tu ne peux pas. Comment tu peux arriver à Kribi où tu es né, tu as grandi? Tu es obligé d'aller à l'hôtel. Jamais je refuse. Mieux je construis même si ce n'est pas fini. Mais c'est mon intimité. C'est ce qu'on appelle avoir son intimité. Tu es chez toi, même si ce n'est pas fini, parce que là, tu parles seulement de ma maison d'Ayos. Hein? Tu parles seulement de ma maison d'Ayos. Ma tour de contrôle. Parle de Kribi, où tu passes serré le wagon avec tes frères, tes soeurs, tes belles-soeurs, tes beaux-frères, tes neveux, tes nièces qui pissent sur toi. Parle. Parle. Moi, je préfère, hein? Même quand ce n'est pas fini. Hein? Et je suis chez moi. Je mange le pomme, je mange. Je ne mange pas, je ne mange pas. Je ne nuis à personne. Je ne suis pas chez quelqu'un que tu as vu. Tu as même envie de dire que tu es en vacances. Tu veux faire la grasse matinée jusqu'à 10h. Tu entends déjà à côté. Parle, les assiettes qui se lavent. On est déjà en train de te mettre le stress que. Et oh, le petit déjeuner. Et oh, la ration. La femme va aller au marché. C'est comment ta soeur l'adore trop comme. Mouf. Tu ne me vaux pas. Montre-nous à quoi ressemble Kribi. Pourquoi tu ne pars jamais à Kribi? Quand tu arrives à Kribi, tu es comme une petite souris. Montre-nous un peu ton Kribi. Où vivent tes frères, tes soeurs, tes belles-soeurs, tes beaux-frères dans la maison familiale. Où tu ne peux pas péter. Tu ne peux pas parler fort. Où tu ne peux pas dormir jusqu'à 9h, 10h. On te met mal à l'aise. Moi, Élise, quand je quitte le confort de Yaoundé, j'ai atterri à Yos. Personne ne me dit quoi faire à Yos. C'est chez moi. Personne ne l'ouvre. Si j'ai dit que je veux dormir jusqu'à 10h, j'ai un frère ou une soeur ou un cousin qui est devant la porte là quand les oncles et les tantes arrivent que. Un damné, il me soit de me faire
Tu comprends ce que ça veut dire? Bisous à que tu ne veux pas koyo. Elise a dit que faut vous la laisser elle. On la laisse elle dort. Quand elle va se réveiller, elle va écouter les problèmes de tout un chacun, mais pour l'instant, elle dort. Tu peux dormir chez toi à Kribi comme ça. Ou on te met mal à l'aise. Dans la... Tu sais le wagon avec tes frères et soeurs. Tu veux que. Allons un peu sur sa page. Parce que là, parlons beaucoup, hein, ce n'est pas bien. Je pars sur ta page où tu publies un petit garçon. Tu publies un petit garçon que tu dis que c'est ton neveu. Oh, tu croyais que il allait dire qu'il est étonnant. Non, il est banganté. Un petit garçon, hein, je présume, c'est où? Quand quelqu'un me donne la vidéo là, tu es une menteuse. Moi, je n'aime pas clasher avec des gens qui mentent. Et puis, tu es une menteuse. Tu es frappole en fait. Tu joues le jeu. Et ça m'intéresse. Tu vois, ça m'énerve même de t'écouter parce que même quand je suis venue dans ton live l'autre jour, j'avais pris le live en cours, mais tu avais déjà beaucoup parlé. Et là, moi, j'aime pas les gens qui critiquent juste pour mépriser dans le faux. Parce que toi, tu es Srapole. Tu en joues, mais au fond, c'est rien ce que tu racontes. Donnez-moi le lien de la vidéo où elle publie son petit neveu là. Son petit neveu, c'est dans la conception familiale. On voit. Envoyez-moi ça sur WhatsApp. Donc, Pipi, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas me. Quand je me mets comme ça, je dis que ma Yalna, il y a des. Ça n'est pipi. Ça n'est pipi. Une femme qui pisse en public. Une femme qui pisse en public. Même te répondre comme je réponds là, j'ai mal. Mais je voulais te faire comprendre que tu n'es que dalle. Tu n'es rien. Tu pars au Cameroun une fois que tu as quitté les appartements meublés. On a vu où tu as logé récemment. Hein. Les appartements meublés de ça. Ce n'est même pas le grand luxe absolu. C'est combien? Les 15 000 par jour. Appartement meublé à 15 000 par jour. 20 euros. Moi, un peu plus de 20 euros. Parce que 20 euros, ça fait 13 000. Entre toi et moi. Toi, tu pars dans un appartement meublé. Élise entre chez elle à Yaoundé. Mets la vidéo où c'est chez moi. J'ai déjà fait des vidéos chez moi, Yaoundé. Mets la vidéo, tu vois ma bâtisse. Et là, toi, tu pars en hôtel, tu pars en appartement. On va aussi te chasser un jour comme on a chassé Marlène Mvoutou. Les vendeuses de rêves comme toi. Toi, Marlène Mvoutou, t'as de la même part. Vous vendez le rêve à nos petites soeurs. Tu pars au Cameroun depuis des années que tu es en Europe. Depuis des années, pipi. Le terrain vaut combien à Yaoundé? Le terrain coûte combien à Yaoundé? Hein? Depuis que tu vends le piment là, tu ne peux pas. Mais tu sais ce qu'on appelle être indépendant? L'indépendance physique, l'indépendance psychique et l'indépendance morale. Tu sais ce qu'on appelle être indépendant? C'est que dans ton petit coin, tu fais ce que tu veux en fait. Personne ne parle fort. Je veux dire que même si j'avais encore mon père et ma mère, mes frères, mes soeurs viennent. Quelqu'un me fait chier chez moi, je lui dis que t'embre d'ambre. Je lui dis que prends la porte un peu, tu me saoules déjà un peu chez moi, je suis en vacances, je veux respirer. Je paye son billet de train, de car, il rentre d'abord au village. Il ne me saoule pas. Tu sais ce qu'on appelle être indépendant? Toi, tu viens, tu parles des histoires, tu. Ouais, Mini, tu m'as dépassé. Non, Pipi, toi, tu m'as dépassé. Non, tu es Srapole. Tu parles plus fun. Tu trompes les. Tu prends les petites isoulous, les petites filles que ça fait longtemps. Elles ne savent même pas. En fait, tes cibles, Pipi, tu sais que je t'analyse. Hein? Tes cibles à toi, Pipi, c'est les petites Camerounaises que leurs mamans ont ramenées en Bénin et qui ne connaissent pas le Cameroun. Qui sont prêts à payer pour exister derrière toi. Voilà tes cibles.
une vraie Yaoundé comme moi. Pure souche. Qui a wa. Qui sait comment on gagne l'argent. Tu ne peux pas me tromper. Tu trompes les petites souffrettes, les petits. Même pas les purs, hein. Tu trompes les deuxième génération des Yaoundé qui sont ici. Donc, au lieu de me tromper, moi, tu trompes peut-être ma fille si elle était sur les réseaux sociaux. Tu vois, les esprits faibles qu'on n'a pas amenés en Afrique, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne connaissent pas la vie de l'Afrique, qui ne connaissent rien, ce sont eux que tu arrives à tromper, tu la vends en rêve, tu peux te permettre de dénigrer une fille comme Élise qui arrive à Ansimalen. Elle atterrit chez elle, elle part chez elle, elle est dans son village, elle est chez elle. Toi, tu pars à Kribi. Quand tu arrives au Cameroun, tu as du mal à partir à Kribi. Pourquoi tu ne pars pas à Kribi? Tu fuis quoi à Kribi? Tu fuis quoi? Maman, la concession familiale de ça, la proximité de ça, tu peux péter là-bas. Ce sont tes propres belles-sœurs. Tu peux péter là-bas. Tu peux être à l'aise. Tu peux prendre un petit déjeuner avec des œufs à la coque. Vendeuse de rêves. C'est ce que tu es. Si tu n'as rien, une fille que... Tu as d'abord Boza jusqu'ici. Une fille que elle dit. Vous avez entendu ça, ou mes chers frères et sœurs. Cette pipi vit avec un homme. Elle vit dans un foyer avec un homme. Comme j'ai ma part de mari là. Je quitte ici, je peux avoir un amant. Il m'attache. Il m'humilie. Il me fouette. Il me sodomise. Il me demande que insulte ton compagnon. Elle ouvre sa bouche. Oh, parfois, c'est qui parfois, là. Ah. Même chez nous, la culture, l'éducation qu'on a reçue, l'éducation bantou, ne nous apprend pas ça. Elle vient dans mon vision, elle tape sur sa poitrine, elle dit qu'elle assume. Elle est polyandre. Elle vient dire dans mon vision qu'elle est polyandre. Donc, elle entre dans le cerveau de vos filles. Pour leur faire comprendre que l'homme n'est rien. Si l'homme t'emmerde, tu trouves un autre homme, tu continues à jouer ta vie. Pipi, il y a des vidéos où tu venais ici nous dire comme rampe, rampe, ça ne se lève plus. Il te mange même la chatte jusqu'à ça te fait mal. Même quand il te mange la chatte, tu ne joues plus. C'est toi-même. C'est toi-même dans les vidéos ici là. Moi, je n'invente pas. C'est toi-même quand tu as bien bu là. Parce qu'on dit que quand tu as bu, tu es samselé. Quand Pipi, que vous voyez, s'il a bu, elle est samselé. Toi seul, tu es venu ici dans mon vision nous dit que rampe, rampe que tu as à la maison là. Celui qui te sert de garde-meuble là. Abomne qui fait haut. Un soir, qui fait n'y a pas. Donc, c'est pour ça que tu es obligé d'aller dehors pour chercher où on t'appuie, même dans les toilettes. Dans les toilettes, pipi. Dans les toilettes publiques, maman, on peut faire ça. On peut faire ça. Je vais t'appeler. Le prochain anniversaire, je t'envoie un paquet de préservatifs. Tu vas marcher avec ça dans le sac à main. On peut faire ça, maman. On peut accepter d'aller se faire piner dans les toilettes publiques. Tu viens dans mon vision nous dire que rampe, rampe, ne fonctionne plus, il ne te fait plus rien, mais il est là avec toi, parce que machin, machin, il ne te fait plus joie. Même quand il mange là-bas, ouvre un peu, on voit, ouvre, ouvre. Quand il mange là-bas, ça ne dose même plus. Ya, une femme peut venir parler de son homme comme ça en public. Une femme peut venir dire que, quand il mange là-bas, tu ne sens plus rien. Ya! Une femme peut venir humilier son gars comme ça en public. Si on a pipi, pipi, une graphie, dignité, élégance, me bi. Tu
Tu entends? Dignité, élégance, caca. Tu es loin d'avoir une dignité élégance. Si tu avais une dignité et l'élégance, tu ne serais pas venu nous dire ce que tu penses de ton gars ici, là, que là-bas, là, ça ne marche plus. Si ça ne marche plus, mais dépose-le au premier carrefour. Hein, pipi? Il ne me fait, comme vous voyez, papa Fonjala, il me fait même encore quoi? Je ne sens plus rien. On est déjà là comme ça que, parce que comme il paye le loyer, moi aussi je me débrouille. Quand je ne vais pas vendre aussi ma part de piment, c'est lui qui prend tous les rias. Une femme parle comme ça. Une femme, tu es sûr que tu es mamelique? Pipi, tu es sûr que tu es mamie? Tu es mamie? Tu n'es pas mamie? Il va me léquer le toc toc pas dans la bouche comme toi là. Quand jusqu'à on soulève la main. On dit qu'il y a rien. Je ne sens plus rien. C'est que c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas Rampe qui a des problèmes. C'est toi, ma chérie, qui a un problème. C'est toi. Parce que dans ton cerveau, tu as assimilé de pouvoir prendre le plaisir dehors, mais pas à la maison. Tu ne prends plus le plaisir dehors, mais tu prends plutôt le plaisir. Tu ne prends plus le plaisir à la maison, mais tu préfères prendre le plaisir dehors. Avec les multiples individus qui te gnassent. Une femme qu'on doite dans les toilettes publiques. Dès que tu as bu 2-3 verres de whisky, tu es déjà épave succale. Une chienne. La chienne qui sommeille en toi se réveille. Il faut voir jusqu'à ça. Tu mouilles alors. Heureusement que tu as vu, je t'ai montré, non? Avant que je n'enlève mon truc là, comment j'étais habillée. J'avais déjà la culotte en bas. Donc sachez que à chaque fois que Pipi est assise en public, elle met la culotte pampère. C'est moi qui t'ai appris ça. Que tu arrêtes de venir nous souiller en tant que femme africaine, en tant que femme camerounaise en public. Parce que toi, tu n'es plus au niveau des petits serviettes hygiéniques. Tu es au niveau que tu dois porter ça. Voilà ce qui te va. Oui. Voilà ce qui te convient. Ça veut dire que tu égouttes. Tu égouttes plus qu'il en peut. Tu viens ici. Il y a comme pipi, il y a comme ma anouam. Zane pipi. Je suis même aimé plus que dans ton village. Tu connais la route qui mène dans mon village. Les qui de mon village t'aiment. Si tu dis que tu es aimé par les plus aimés dans mon village, j'ai entendu comment tu as dit ça. Sache que ce sont des femmes qui me jalousent. Moi, les vraies filles Yebokolo que je suis ont du... Les filles Yebokolo ont du caractère. Donc, quand tu me vois là, je représente les filles Yebokolo. On a du caractère. Donc, si tu as quelques vilains concons mélangés Yebokolo qui viennent de loin, loin là, qui disent qu'ils sont avec toi, ce n'est pas mes oignons. Les vraies filles Yebokolo ont du caractère. On ne nous la fait pas. Même dans ton village, sache qu'elles sont jalouses de moi. Elles sont jalouses de ma stamania. Elles sont jalouses des filles qui vivent dans l'obscurité. Même dans ton village, on m'aime. Donc, on va venir t'aimer. Toi-même qui ne connais pas la route qui mène. Toi, si tu ne connais pas la route qui ne. Même. Ce n'est pas parce que tu as escroqué la petite Issou, les Yenga qui vendait les produits d'Amérique. Mais si ça fait toi là que tu crois que les Yenga ne représente pas toutes les filles Yebokolo. Hein? Et Yenga ne représente pas toutes les filles Yebokolo. Nous sommes des femmes de caractère. Donc, toi-même, Bangante,
pas. Construit à Bangladesh, tu n'as pas construit. Construit même à Kribi, tu n'as pas construit. C'est ailleurs que tu ouvres dans la bouche. C'est ailleurs que tu ouvres dans la bouche. Je vais faire quoi là? Pipitologue, je vais faire quoi de toi? Franchement, je vais faire quoi de pipi? Je vais faire quoi de pipi? Hmm? C'est ailleurs que tu connais. Eh? Tu sais que la gare où c'est qui mène ailleurs se trouve où? Je vais faire quoi de la fille Bamileke si pardon. Attrapez-moi, je peux finir avec la fille si comme ça, problème. Oh, les filles de ton village, même, elles ne t'aiment pas. Tu sais qu'Ayo se trouve où? Soit te dit que la gare routière qui mène à Ayo se trouve où? Pipi, même d'abord aller à Bangante, pas d'abord à Bangante. Pas d'abord à Bangante. Ma nyawaï, oh pipi, oui j'aime ça. Oh, oh tam, oh tam, oh, oh tam, fouette-moi, oh tam, oh tam, oh tam, oh, je vais te faire les enfants, oh, je vais te faire les enfants, oh tam, et lang, pipi et lang, je vais te faire les enfants, oh tam, oh tam, oh, mais ou bien moi, noy, oh tam, fouette, oui j'aime ça, attache-moi. Attache-moi, attache-moi, je vais te faire les enfants, on va aller en Espagne, tu vas me mettre même les jumeaux, je serai une magne, tu serais une taille, et là, tu ne vas pas faire les enfants avec un peu, c'est avec le tam que tu vas faire les enfants, une femme qu'on attache, vraiment, Bibi, tu m'as dépassé, je te jure. Je laisse moi-même un bon coup. Toi, si je vais bien t'arranger demain, je vais bien te coudre, bien, bien, bien. Et mettre ton alopécie là. Et la ceinture, ce sera ta ceinture dorénavant. Comme tu aimes, comme on te fouette. J'aime ça. J'aime ça. J'aime les fantasmes. Ya, ya, ma soeur. Et même souvent un peu honte, non? Et honte. Et honte. Ça m'a dit que j'aime ça, j'aime qu'on m'attache, j'aime mes fantasmes en public. En public. Tu sais ce qu'on appelle fantasme? Les fantasmes sont ceux qu'on réalise et certains qu'on ne réalise pas. Hein? Je vais te coudre demain, j'ai tout le week-end. Toi, si tu vas faire mon week-end, j'ai tout le week-end. Tu as vu les couches que j'ai là? Voilà le paquet entier que je suis allé acheter. Voilà. Le paquet de tes pampers. Je vais coudre, je vais bien tailler ça demain. Bien mettre ça sur pipi ici là. Parce que maintenant, nous, on a notre smart scot, notre pipitologue, qui aime qu'on la fouette. Elle aime ça, qu'on la fouette. Hein? Oh, tamo, woy, woy, rampe, rampe, me bimoué la, woy. Rampe, rampe, soit la tep qui foua me cano. Ah, rampe, rampe, ma djin qui foua, me toué ou nala, ou vol ma yan nende, rampe, rampe, ou bon ne qui fou membo. Joy, oh, yam me cano, m'joy, oh, rampe, rampe, oh, tam, oh, tam, oh, tam, oh, tam, oh, tam, je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain. Faut pas fondre même, c'est qui? Un chien que le bangala ne se lève plus, un chien. Même quand il va me faire la lèche-lèche, j'ai mal aux fesses. Ya! Yeah! Ya, yeah, pipi. On peut faire ça. On peut humilier son homme comme ça, pipi. Il veut nous dire humilier femme na la pipi. On peut faire ça. Je vais bien arranger la mascotte ici. Ce sera toi. Et c'est toi qui viens l'ouvrir sur le peuple et quand même. Tu viens nous donner les leçons. Comme vous êtes hypocrite. Pourquoi tu ne parles pas de ta famille qui insulte, qui méprise le peuple et quand matin, midi, soir? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Si tu faisais ça, je te donnerais le bénéfice du doute. Je saurais que tu es neutre. On peut aimer sa famille, tu vois, mais critiquer quand ils font mal. Mais vous, vous êtes des hypocrites. Quand c'est pour vous, vous couvrez ça comme ça là. Quand c'est pour les autres, vous mettez dehors. Nous, on n'accepte pas. On ne peut pas dire que c'est du vivre ensemble. Non, non. Chacun aime d'où il vient, non. Hein? Il est quelle heure?
n'ai même pas envie d'écouter toi. Voilà. J'ai bien arrangé ça. Bloque-moi David Ngono là. Ma personne, bloque-moi David Ngono. Bloque là et dégage. Bloque là. Accord, lui, il va là. Hein? Je voulais même t'écouter, mais c'est tellement bas. C'est tellement bas tes propos que ça n'en vaut pas la peine. Tu vois, tu fais la pure hypocrite. Dans ça, c'est que tu fais de l'hypocrite absolu, ce que vous êtes en fait. Tu mets ta caméra. On va aller t'écouter. Il est 23h21. On va aller t'écouter. Il est 23h28. Ne dormez pas, oh, ne dormez pas. Ne dormez pas, oh. Oh, 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 oh. C'est encore oui. Chaud. On va aller t'écouter. Non, on va pas écouter. On va aller sur ta page. Moi, je n'ai pas peur. Je passe sur ta page quand je veux. J'assume. On y a besoin, pipi. Pipi, tu ne me fais pas peur. C'est ça le comble. C'est que tu ne me fais pas peur. Je ne peux pas avoir peur d'une femme qui vit en concession familiale avec ses belles sœurs, ses beaux frères. C'est qui ça qui veut participer? C'est qui ça? Qui veut participer? J'accepte un peu la personne ici. C'est qui ça qui veut participer? Je ne sais pas qui c'est. Ben, si on ne veut pas participer, on va aussi les plus. Tu nous donnes des leçons. Tu nous donnes des leçons. Tu nous donnes des leçons. Dans un sujet où tu as juste dit justice pour Martinez, où tu te lèves, tu veux donner des leçons au peuple écran. Que non, vous ne vous êtes pas bien pris, il fallait faire comme si, il fallait. Oza, pipi, Oza. Toi qui? On t'a appelé dans le sujet. On t'a appelé. Tu viens nous donner des leçons comment nous. Est-ce qu'on vous donne des leçons? Depuis que vous chiez dans la gueule du peuple écran, de la première dame et du président de la République, depuis que vous faites ça, est-ce qu'on vous donne des leçons? On vient seulement reposter et on riposte avec fierté. C'est une fierté, c'est pour ça qu'on riposte. Et là, le courage, hein, c'est fini. Mais qu'est-ce qui lui donne même ce courage? Parce que tu as été gentil. Et parmi les pas des femmes, vous êtes des chouettes. Ah bon? Vous n'êtes pas des femmes. Il faut vous accrocher, vous dire, tu m'as dit ma mère. Alors tu vas pas marcher sur la langue à te laisser comme ça. Jamais. Alors tu vas pas marcher. Rivalise les bandes, c'est les bandes qui te relâchent. C'est les bandes qui étaient juges. C'est les bandes qui étaient juges. C'est les bandes qui étaient au siège. Tu as été maladroit. Tu as été maladroit. Tu as été maladroit. C'est les bandes qui ont la tué. Tu n'avais pas besoin. Pardon. J'ai pas eu quelqu'un qui dit que nous, les Écarons, on est incapables de convaincre les Camerounais, mais elle a la possibilité. Woza. Ah, et puis Woza. Woza. On a failli t'enfermer. Mais tu comprends que Paul Désir s'est marié. Paul Désir s'est marié avec une femme de Lyon. Voilà Paul Désir qui va déjà fuir le Cameroun. Vous venez en Amérique. Il s'est marié récemment avec une femme de Lyon, Paul Désir. Cette sortie, tu n'aurais pas dû le faire. Il fallait rester dans ta ligne éditoriale, genre justice pour Martinez, ça s'arrête là. Tu ne viens pas donner des leçons à tout un peuple. Tu ne viens pas nous donner des leçons.
besoin de toi pour ça. Et c'est ce qu'on te reproche. C'est ce qu'on te reproche. Il y a parfois, tu fais motus, bouche cousue et tu fermes ton anus. Même si on vient te dire que va parler, tu dis que je ne me mêle pas. C'est sensible. J'ai dit que justice pour Martinez, je m'arrête là. Je ne m'en prends pas un peuple. Je ne leur dis pas que vous n'avez pas bien fait. Puis quand c'est pour toi, tu fais quoi? Quand ce sont tes frères qui font, tu fais quoi? Tu boucles ton cul, tu boucles ta chatte, tu boucles tes narines, tu fermes ta bouche, tu fermes tes narines, tes yeux, tu fermes tes oreilles et tu respires par le corps. C'est ce que tu fais. Quand ce sont... Mais ce sont lesquels bêtises vous donnent le pouvoir? Lesquels bêtises vous donnent le pouvoir de venir vous mêler de vos problèmes? Est-ce qu'on se mêle de vos problèmes? Il y a eu un mariage à des milliards chez vous, entre congèle comme, et voilà, ben il y en a quasi, on s'est mêlé de ça. Toi, Pipi, en tant qu'influenceuse, blogueuse, tu as été invitée. Est-ce que nous, les quand on a fait des sorties pour extrapoler, pour dire, non, l'argent du Cameroun, l'argent, non, on a juste dit que ça ne nous concerne pas, on voulait faire ce que vous avez à faire. Qui t'a donné le pouvoir de venir parler au peuple étant? Qui t'a donné le pouvoir de venir nous dire comment parler, comment se comporter? Qui? Il faut nous laisser dans les choses. Quand vous protégez les vôtres, c'est comme ça qu'on protège les autres. Tant pis pour les écartres lâches, ceux qui marchent avec vous, ceux qui vous marchent. Ceux qui sont en, ils pensent qu'ils sont en. Moi, je ne suis pas la madame. Je suis une digne fille de vos collègues, 100%. Même quand tu. C'était un sujet sensible. Voilà, je l'ai dit que. Mais je suis capable de le faire. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'êtes pas. Vous quand je dis vous, c'est de nous que tu parles. Ce n'est pas. Si vous prenez pour un homme qui est en prison pour une affaire de meurtre, si vous ne prenez pas le dossier. Elle a dit que le dossier avait ce qu'il y a à mourir. Je vais vous dire que quand je ne voulais pas le dossier, la justice a fait son travail. S'il y a une autre qui a dit bien, moi d'abord, moi, je vais arrêter de voir tous les colis, les réseaux sociaux, les gens de mon mari. La vie, c'est dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas les avocats. Il y a les avocats, non? Il y a vous. Voilà ce qu'on appelle titulliser un dossier aussi sensible. Un dossier qui divise la toile. Un dossier qui fait même renaître le tribalisme. Un dossier que tu as déjà pris parti. Un dossier que tu as décidé de dire seulement que je suis pour Martinez. Tu es resté dans ton coin. Tu reviens. Tu prends tout un peuple. Tu poses sur ton dossier. Tu nous donnes des leçons. Tu nous dis que c'est à cause de nous. C'est nous qui nous. On s'y prend mal. C'est nous. Et je te demande que toi, qui? De quoi je me mêle? Tu te mêles de quoi, ma misère? N'est-ce pas, vous pouvez aussi un peu voir nos choses, vous passez votre route, comme quand nous aussi on voit vos choses, on passe la route. Laissez-nous, on s'y prend mal, ça nous regarde. On s'y prend bien, ça nous regarde. Tout ce qu'on fait, ça nous regarde. On n'a pas besoin de toi. Pas besoin des petites donneuses de leçons de merde qui ne sont même pas capables de recadrer leurs propres frères et leurs propres soeurs du village. Moi, Élise, quand un écran a fait mal, je tape la main sur la table, je lui dis que mon frère, ma soeur, même si c'est l'élite de ouf, si tu veux, j'arrive au Cameroun, même en prison. Je parle. Toi, Pipi, tu ne fais pas ça avec les gens. Tu n'es pas une cible. Blogueuse du peuple. Tu n'es pas une blogueuse de tous les Camerounais. Tu es une blogueuse qui privilégie ces gens et qui méprise les gens des autres. Ce dossier, je te dis et je te redis et je te regarde dans les yeux que tu aurais dû t'arrêter à justice pour Martinez et Zoro. Tu ne viens pas nous donner les leçons de morale parce qu'on sait que tu ne voles pas haut. Tu n'as pas une jauge. Je veux dire que ceux qui te donnent
là, ceux qui te disent que tu es quelque chose, tu n'es rien. Tu n'as pas une jauge, tu ne pèses rien dans notre communauté. Aussi, Johnny, tu n'es rien que dalle. Laisse-nous, on fait à notre façon, à notre manière, maladroitement ou bien ou adroitement, ça nous regarde. L'essentiel, on veut le même résultat. On ne t'a pas dit qu'on veut un arbitre. On ne veut pas un arbitre. On ne veut pas quelqu'un qui vient nous dire, qui vient nous dicter. Parce que nous, on ne se met pas dans les choses avec ta famille Bambiki. Parce qu'après, comme ça, vous dites que les gens sont tout mal ici. Quand vous mettez les vôtres sur le bas entre eux, c'est comme ça qu'on fait aussi pour nous maintenant. Et ça ne chauffe pas. Vous nous avez vraiment montré ce que c'est que la flotterie. Vous nous avez fait comprendre quelque chose que nous-mêmes, on avait déjà oublié. Qui derrière les fesses de notre homme là, qui derrière les fesses de la famille Kam, nous n'avons pas besoin d'une imbécile comme toi pour venir nous dire comment on doit fonctionner. Laissez-nous, vous allez dire qu'on boit, on se tape, on prend les matières, on s'entretue. Et demain, on est assis ensemble. Puis malgré ce que... Oui. Demain, on est assis ensemble. Veuve joyeuse, c'est ma mojan. Aujourd'hui, demain et après-demain. Aline, Christine, Marie, c'est ma mojan. Aujourd'hui, demain et après-demain. Mais on a compris que quand on s'entretue, on voit comment vous venez applaudir, vous êtes en transe. Comment c'est que vous êtes comme ça? De temps en temps, on vous donne un petit morceau de viande à manger. Mais toi, Pipi, je te regarde dans les yeux. Qui derrière l'histoire du homme là? Qui derrière cette histoire? Quitte. Tu as dit justice pour Martinez Ozoko. On a compris. Alors, dégage. Dégage tes vieilles fesses qui coulent l'eau. Dégage. On n'a pas besoin de vous. On fait comme on a l'habitude de faire. Même si ça rame, comment? On prend les machettes, on s'entrecoupe. Après, on prend le dentelle, on boit. On ne veut pas de vous dans cette histoire. Vous êtes là-bas pour dire qu'on le tue. Nous sommes ici, on dit de notre mieux qu'on le libère, de notre mieux. Tu as vu les hommes là à l'esplanade à Yaoundé. Tu as écouté le message. Nous avons été dans les réseaux sociaux ici à beaucoup pleurer. Ils sont où? Ils sont sortis en adulte. Sans escapoler. Ceux qui avaient des oreilles, les fils et les filles et quand, qui avaient des vraies oreilles, ont compris que nos hommes leur sont sortis, ils ont parlé. D'ailleurs, je vous refais écouter ça et je vais commencer à conclure mon direct parce qu'il est tard. Il faut aussi que j'aille me reposer. Il est tard. Je vais remettre la vidéo. Ceux qui ont les vraies oreilles, les vrais écans, il n'y a d'ailleurs pas de faux écans. Hein? Quand nos hommes là ont fait cette sortie. Je n'ai pas mis. Non, c'est pas sur cette page que j'ai vu. Il faut que je me déconnecte ici, que j'aille sur la page qui est bloquée là, Bissou Elise. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer la sortie des chefs et quand à l'esplanade à Yaoundé dans mon WhatsApp que vous connaissez tout ça? Dans mon WhatsApp que vous connaissez tous. Est-ce que quelqu'un... Pourquoi on écoute et on analyse? Parce que Pipi, tu n'as rien dit donc. Tu nous fatigues. On donne le bout. Parce que Pipi, tu nous fatigues. Est-ce que quelqu'un peut faire sortir la vidéo? Moi-même, j'avais partagé. Hein, mais je n'ai pas partagé ça sur cette page. Renvoyez-moi où les chefs et parlent dans l'esplanade à Yaoundé là. Je fais écouter cette vidéo pour vous dire que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, si beaucoup pensent que ça n'a pas d'impact, mais ça a un impact. Parce qu'au final,
Tous ceux qui demandaient que où sont les chefs et camp, où sont les chefs et camp, où sont les chefs et camp. Si vous entendez ce que nos papas parlent pendant cette explanation, ça veut dire ce que ça veut dire et on n'a plus besoin de parler parce que la parole est partie ou ça doit partir. Le tout. Il faut que je me déconnecte. Est-ce que je dois me déconnecter? Je me déconnecte là-haut pour repartir sur l'autre page. Je dois vous faire écouter ça. À vous, le peuple, je dois vous faire écouter ça. Je déconnecte ici. Vous avez écouté, vous avez compris ma vidéo avec ces belles paroles. Je vais citer. Et vous, maman, vous allez réaliser les us et coutumes du peuple écan, penser les plaies qui gangrènent cette communauté en interne, promouvoir l'identité culturelle des fils de la forêt. Voilà les conseils que j'ai donné à la grande rencontre des écans sous l'égide d'Abamelan Manécan, à l'esplanade de l'hôtel de Dieu de Yaoundé. Ça rendra tout simplement à ce que le peuple Ekan puisse se réunir, puisse parler de leurs problèmes ensemble. Les Ekan, étant en paix, étant réunis, ils peuvent mieux participer à l'édification du Cameroun. L'un des repris identitaires sectaristes, Abamelan Manécan, qui a constaté avec amertume les guerres fratricides entre fils Ekan, la perte des valeurs d'amour et d'hospitalité des Ekan, a décidé de sauver ces valeurs qui ont fait de ce peuple jadis une communauté puissante. On a besoin de notre culture. C'est pour moi et mes filles, on s'est déplacés, on est en 8. On a fait une délégation de 8 femmes. On venait vraiment soutenir déjà notre président national, le premier étant. Il n'y avait personne pour nous réunir. Donc, M. Zimbabwe a eu l'occasion et nous, on a saisi la chance. Plus jamais. Ils ont profité de cette occasion pour adresser un message fort à la voix du chef de l'État au sujet de leur fils incarcéré dans les différentes prisons du Cameroun. Nous espérons la clémence et l'intelligence du chef de l'État. Faire un parent puni, pas pour tuer, mais pour corriger et être toujours prêt à pardonner. Pour les fils étant qui croupissent dans les prisons, nous souhaitons qu'ils bénéficient de votre magnanimité légendaire. Placé sur le haut parrainage du président du conseil régional du centre, le patriarche Gilbert Unebuna, Abamelan Manécan pense qu'il est temps pour les fils et filles de la forêt d'enterrer les cultures morales de guerre, de taire les égaux surdimensionnés, et de regarder enfin vers la même direction pour la survie de la communauté Ekan. Il y a beaucoup de têtes de mort, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup. Quand on parlait de notre culture, il y a des têtes de mort. Vous aussi. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas nous museler. On a une culture. On a une culture. On a une culture. Elle est là. Moi, je voudrais dire qu'au moment où nos patriarches, nos chefs parlent, vous envoyez les têtes de mort. C'est quel manque de respect, ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte que quelque chose qui s'est passé à Yaoundé, à l'esplanade de Yaoundé, vous pose problème. Je suis une vraie Kami, une djinn Kami, Yibokolo Dayos. Je ne suis pas une frilatée, je suis une guerrière
on ne met pas le genou à terre. Je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas à la recherche de... Vous avez vu? Vous avez vu? Notre petite Sandra Rose était dans le noir, il fut une époque. On est en train de survivre avec l'aide de la femme de Walala, Rose 237. Si vous, les filles, quand vous voulez vous faire connaître sur les réseaux sociaux, vous voulez faire des vidéos pour défendre les vôtres, le nombre fait la force. Nous avons besoin de vous. Nous n'avons pas besoin que vous partez, vous ralliez à des salopes comme pipitologues pour détruire les vôtres. Venez, faites des vidéos, interpellez-nous, nous autres qui sommes déjà là depuis des années. On va partager les vidéos là jusqu'au ciel. Voilà Sandra Rose qui est déjà une star des réseaux sociaux. Pourquoi pas vous? Arrêtez de faire genre, c'est la jalousie. Celle qui se sent capable de faire les vidéos, qui est prête à accepter qu'on l'insulte, qu'on la traite, mais elle tient bon sur sa ligne éditoriale. Venez. Le nombre fait la force. 2025 arrive. 2025, c'est le moment décisif pour le peuple écran. Stop au mépris, stop à la manipulation, stop à ce que vous, on vous flatte avec les bons cas. Faites des vidéos, interpellez-nous, on va partager. Que ce soit ici, que ce soit sur YouTube, on va partager, vous serez des stars des réseaux sociaux. Arrêtez d'aller vous accrocher. Parce qu'on va vous dire que, oh, vendeuse de piment, oh, fumeuse de poisson, oh. On connaît qui est la reine, la higher level, la reine mère des vendeuses de piment. Tout le monde sait qui c'est. Donc, si vous, on vous insulte de vendeuse de piment, vous êtes du pipi du chat à côté. Si les autres ont pissé en public, vous, ce qu'on peut dire de vous, c'est rien. Venez, sœurs. Venez, mes frères, venez clasher, insulter vos adversaires. On va vous soutenir. On va partager. Il faut aussi que les nôtres voient que hein, c'est pas seulement eux qui gagnent fort, qui crient fort. Il y a l'Assemblée qu'on est en train de mettre en route. On espère que la salle sera pleine jusqu'à ce n'est plus bon. N'ayez pas honte de vos cultures. N'allez pas vous accrocher sur des gens qui vous flattent. Nous avons des chanteuses stars que nous-mêmes, on peut organiser des soirées, des événements et ils viennent chanter. Même si c'est une fois par an. C'est quoi? Aller dans une soirée, même si c'est à Marseille, que c'est mon frère ou ma soeur qui organise ça. Je prends mari et enfant. Je ne peux pas leur montrer ma culture. Je paye. Je suis fière. Pourquoi vous sous-estimez tant? Pourquoi vous voulez tant exister chez les autres et chez vous, vous ne voulez pas exister? Vous entendez la parole qu'ils sont en train de dire là? Que c'est le moment que le peuple est quand se réunisse. C'est le moment que le peuple est quand. C'est le moment que le peuple est quand se réunisse. C'est le moment que le peuple est quand arrête des guerres à deux sous. C'est le moment que le peuple est quand arrête de s'accrocher sur notre ennemi. Les femmes écran sont dignes. J'en connais qui sont valables. Aucune femme écran qui est en bénéficie là, qui n'a pas construit en Bénin. Pipi, tu n'as jamais mis à construire quelque chose au Cameroun. Aucune de mes sœurs que je connais ici en Bénin n'a pas construit au Cameroun. Soyez sûr de vous. Être sûr de soi, c'est dans le mental.
être fier de soi, c'est dans le mental. Si tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux. Le voisin ne peut pas te rabaisser. Arrêtez de vous faire rabaisser parce que vous achetez. Quand Pipi dit, elle ose dire que même dans ton village, Alios, je suis plus aimée que toi. Je me demande lesquelles. Quelles sont les filles au col d'Alios qui peuvent aimer Pipi plus que moi? Ça m'intrigue en fait. Je lui dis que ce sont les filles qui payent pour exister. Moi, Bissot, je ne paye pas pour exister. Je me fais seule. J'assume. Et je ne me fais pas trahir ma soeur, trahir mon frère. Quand j'ai envie d'insulter mes soeurs, je mets ma caméra, je les insulte propre. Et ça ne choque pas. Je n'ai pas besoin de contourner, passer par quelqu'un pour détruire. Je sais m'engueuler quand j'ai lavé ma grande soeur Aline Fissine Zomondom. Est-ce qu'Aline Fissine Zomondom savait qu'elle croyait que ma vidéo, mes petites vidéos, mes coupures de vidéos allaient faire le tour du monde? Mais bien, nous pas nous, est-ce que ma grande soeur Aline Fissine Zomondom pensait que mes vidéos allaient être coupées partout, utilisées partout, comme pour elle-même, coupées aussi partout, utilisées partout. C'est comme ça. Mais Aline Christine, mon vrai, c'est ma grande soeur. Je l'aime aujourd'hui, je l'aime demain, je l'aime après-demain. Une bamilette qui tente de toucher Aline Christine où je suis, je l'aime. Je fouette les bêtises. J'ai dit à Aline, Moulona, Terminga, bignez-moi. Vas-y, nous fois, on va fois, fois un boélan. Quand nos patriarches parlent comme ça, vous n'écoutez pas la profondeur des paroles. Parce qu'il y a une merde. Commence à zéro. Pérenniser les us et coutumes du peuple écan, penser les plaies qui gangrènent cette communauté en interne, promouvoir l'identité culturelle des fils de la forêt, voilà les postes qui ont gérés la grande rencontre des écans sous l'égide d'Abamilan Manekan à l'esplanade de l'hôtel de Dieu du Yaoundé. Ça rendrait tout simplement à ce que le peuple Kan puisse se réunir, puisse parler de leurs problèmes ensemble. Les Kan, étant en paix, étant réunis, ils peuvent mieux participer à l'identification du Cameroun. L'un des repris identitaires sectaristes, Abamilan Manekan, qui a constaté avec amertume les guerres fratricides entre fils et Kan, la perte des valeurs d'amour et d'hospitalité des Kan, a décidé de sauver ces valeurs qui ont fait de ce peuple jadis une communauté puissante. On a besoin de notre culture. C'est pour moi et mes filles, on s'est déplacés, on est en 8. On a fait des déplacements de 8 femmes. Nous allons vraiment soutenir déjà notre président national, le premier étant. Il n'y avait personne pour nous réunir. Donc, nous sommes arrivés à une occasion
Et nous, on a saisi la chance. Plus jamais, si le pied est en ne se lève pas, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on aura vu, le pied est en debout. Ils ont profité de cette occasion pour adresser un message fort à l'endroit du chef de l'État au sujet de leur fils incarcéré dans les différentes prisons du Cameroun. Nous interrompons la clémence et l'intelligence du chef de l'État. Car un parent puni, pas pour tuer, mais pour corriger et être toujours prêt à pardonner. Pour le fils étant qui croupisse dans la prison, nous souhaitons qu'il bénéficie de votre unanimité légendaire. Placé sur le rang parrainage du président du conseil régional du centre, le patriarche Gilbert Tshinyegouna, Abba Mélan Manekamou pense qu'il est temps pour les fils et filles de la forêt d'enterrer définitivement la hache de guerre, de taire les égos surdimensionnés et de regarder au sol vers la même direction pour la survie de la communauté Kamou. Donc, je pense avoir bien conclu mon direct. Je pense. Hein. Parce que quand vous avez des gens comme Pipi qui manipulent lors des lives, qui cognent des têtes. Parce que le rôle de Pipi, c'est cogner des têtes en fréquent, en fait. Quand Pipi veut se lever, elle met la vidéo, elle dit que je suis plus aimée dans ta famille, dans ton village. Elle connaît que mon village commence par où et finit par où. Mais c'est tellement futile. Ceux qui écoutent pensent qu'elle blague. Mais ceux qui écoutent, c'est une façon de cogner les têtes. Et je vais dire que, quels sont mes soeurs Yubokolo? Qui sont mes soeurs du village qui peuvent préférer Pipi, qui est une petite bagleke, à moi qui suis leur soeur? Donc, vous voyez un peu la subtilité du truc. C'est leur façon de faire, c'est leur comme ça, où s'asseoir et peut-être dominer certains qui ont des esprits faibles. Moi, dans cette vidéo, je lui dis que Pipi, je connais les filles de Bokolo. Celles qui t'ont dit que elles sont de mon village, qu'elles ne me supportent pas, ce sont peut-être celles qui... La jalousie existe. Même chez toi, il y a des sœurs Bamileke qui sont jalouses de toi. Mais la jalousie existe. Moi, je leur dis aujourd'hui, vous, mes sœurs et vos collègues, je vous adresse un message aujourd'hui. Si vous êtes capable de mettre vos caméras, comme je mets la mienne, faites-le. Si vous êtes capable d'assumer, on insulte vos maris, on insulte vos enfants, on insulte votre famille, mettez les caméras. On va vous soutenir. On va partager vos vidéos. Vous allez devenir des stars des réseaux sociaux. La famille Kamou sera là derrière vous. Comme on vous soutient, c'est comme ça qu'on viendra aussi vous soutenir. Ne vous laissez pas manipuler par un petit personnage comme Pipitologue qui veut diviser les écans avec subtilité. Elle ne dit pas que vous vous détestez. Elle dit que, mais on me préfère. Elle connaît Kario, c'est vous. Elle dit ça, que la famille, même dans ton village, on me préfère. Elle a escroqué une de mes sœurs, la vendeuse de gélules, là. Elle a escroqué des milliers et des milliers d'euros, tout le monde sait. Hein? Moi, je ne me suis pas mêlée de ça parce que je me suis dit que ma sœur a préféré aller vers elle, peut-être parce qu'elle est là avant moi, elle a une visibilité. Donnant à César ce qu'il y a à César, maximum que moi. Donc, elle part vendre, elle fait son commerce. Moi, je n'ai d'ailleurs jamais parlé de ça. Voilà comment ces gens divisent les écoles. Avec des petits mots, des petites phrases bien placées qui piquent. Parce que moi, quand je comprends ça, si je suis bête, je vais commencer à insulter mes soeurs et mon colo. Mais renier même ma famille, je vais dire non, 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 non. Pipi, je ne fais pas ça. Je suis au colo aujourd'hui. Je suis Yubokolo demain, je suis Yubokolo après demain. Je suis une digne guerrière et calme. Comme
tu ne peux même pas imaginer. Je suis le genre que chacun a son édifice dans tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux aussi. Chaque fille, chaque femme et quand a son édifice à poser dans le changement de nos mentalités et quand. Pas dans la mentalité camerounaise. Mentalité et quand. Quand vous voyez déjà que nos chefs traditionnels commencent à parler, c'est parce qu'ils comprennent. Ils écoutent. Restons focus. On fera toujours le Japon. On va toujours insulter, mais par les insultes et par tout ce qui se passe, on aura toujours l'occasion d'interpeller les nôtres. Soyons forts. C'est le moment. Soyons forts, peuple camp. Le mépris a des limites. Jerry. Le mépris a des limites. Vous ne pouvez pas laisser une petite pisseuse, une femme qui pisse en public, venir vous commander, vous dominer, s'asseoir sur vous, vanter comment vous la nourrissez, comment vous lui donnez des sous, comment. Ouais. En tout cas, on a fait un beau direct. Je vous remercie beaucoup. Il est minuit. On a commencé à 22h passé. Deux heures de direct, c'est beaucoup. Pour une nouvelle page, vous avez répondu présent. Je vous remercie beaucoup. Je vais finir ma soirée. C'est le week-end, tranquille. Je vous remercie. Je vous aime. Avec tous vos défauts, comme vous êtes des odontolas, moi, je suis odontolas. Je vous aime comme vous êtes. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. D'accord? Bisous. Je vous ai dit qu'on boit pipi dans toutes les sauces. Je vais lâcher pipi le 8. Florine, Annette, ma petite sœur. Je vais lâcher pipi le 9. Je lâche pipi. On commence avec pipi aujourd'hui. Nous sommes le 5. Demain, c'est le 6. Dimanche, c'est le 7. Lundi, c'est le 8. Le 9. On lâche pipi, elle va se reposer. Et bam, et bon. C'est-à-dire que j'aurais déjà porté. Où sont les paquets de couches? J'aurais déjà porté tous les paquets de couches. Et n'oublions pas. Voilà, pipi. On a notre pipi. Arès. Arès, l'opécie. Pipi a mis l'opécie. Vous avez l'alopécie de Bibi. Et attention, la chicotte. On va lâcher pipi le 9. Donc demain, je suis sur elle. Dimanche, dès que je me réveille, un genre, je me fouette. L'alopécie de pipi. L'opécie. Bisous, je vous remercie tous d'avoir été là, vous avez tous répondu, oui, oh, je suis belle, la beauté de Pipi, Pipi, je vais te taper demain, attends, aujourd'hui, j'étais un peu gentil, mais on y a eu, donc je dis, bon, allez dormir, de rien, plus bas, je pars, bonne nuit, demain, on lâche Pipi, le 9, on l'oublie. Dans le 8 au soir, on finit avec elle. On arrache même ses choses. Pipi, 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 attache-moi, attache-moi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Attache-moi. Oh, je suis belle. T'as mis le nom. Bonne nuit, bye. Demain.